c'est Jésus. Vraiment, je ne peux pas quitter cette grâce. Dimanche passé, moi, j'étais ici. Et quand je voulais quitter à la maison, je devais aller à l'hôpital pour faire pipi d'abord. Donc, je devais quitter très tôt. Le bus doit venir, je quitte Porto-Nouveau. Donc, je suis allée, j'ai fait injection. J'avais chauffé l'eau pour laver mon enfant. Donc, j'ai oublié d'éteindre le gaz. Donc, de 6h jusqu'à 16h, je suis allée à la maison. Le feu, le gaz est allumé jusqu'à ce que je suis allée à la maison. Et je suis rentrée dans la cuisine, c'était chaud. J'ai dit, c'est quoi? Et j'ai vu, c'est le gaz qui est en train de faire chaud. Et il y avait mamie, tout ça. Mais rien n'est touché. Le diable a fait tout pour me tuer, mais il ne peut rien. Acclame le Seigneur bien-aimé. Je vais rapidement recadrer son témoignage. Dani, la sœur que voici, elle vient de Porto Novo. Et dimanche dernier, elle devait partir tôt à l'hôpital pour prendre une injection avant de venir au culte. Donc à 6h, aux environs de 6h, elle a mis l'eau au feu sur un gaz. Et elle a chauffé l'eau pour laver son enfant et elle est partie à l'hôpital. En quittant la maison, elle a oublié d'éteindre le gaz. Bien-aimé dans le Seigneur, le gaz est resté allumé de 6h. Jusqu'à la fin du culte, à son retour à la maison, aux environs de 16h. Vers 16h, elle est arrivée à la maison. La marmite est toujours au feu. Le gaz est toujours allumé. La bouteille n'a pas explosé. La marmite ne s'est pas... Dis voisin, je ne mourrai pas comme un poulet dans le poulailler. Voisin, je ne mourrai pas comme un poulet dans le poulailler du diable. Le diable est un bâtard. Le diable est un bâtard. Et il a échoué avant mon temps. Et il a échoué avant mon temps. Amen. Amen. Et elle est venue aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Amen. Donne-moi la main. Ça ne marchera pas. Je te donne une grâce terrible. Tu peux. Un feu terrible entre toi. Un feu terrible entre toi. C'est Yesu Bonama.